أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Salama, 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 salama. Donnez-vous la main, serrez-vous la main, répandez la paix dans tous les foyers. Salama, 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 salama. L'ennemi commun s'appelle Satan, l'ennemi commun s'appelle Satan, qui cherche toujours à vous diviser. Salama, 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 salama. Toutefois que ça ne va pas dans un pays donné, les chefs religieux doivent vous jouer leur rôle. Salama, 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 salama. Nashhadu an la ilaha illallah wa li salihin wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais tout d'abord dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes qui nous a créés et qui nous a guidés, qui nous a favorisés parmi toutes ces créatures. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Nous le louons pour tous ses bienfaits et nous le louons également pour nous avoir mis au devant de toutes ses créatures et nous accorder sa confiance. Ce que Dieu veut, c'est ce que les femmes veulent et non le contraire. Ce que Dieu veut, c'est ce que les femmes veulent. Je voudrais donc saluer la présence de mon père Abba Cissé et aussi nos grandes sœurs, aussi bien la vice-présidente de l'Assemblée nationale que ma grande sœur Madame Daou et toutes les dames et toutes les mamans qui nous ont fait l'amitié d'être ici ce matin. Vous avez vu tout à l'heure mon mouvement de quitter la place de ce côté pour aller m'asseoir à côté d'un homme de foi, de conviction et avec qui nous partageons la mission de transmettre le message de Dieu, d'Allah, et dans tout ce que nous pouvons. Il s'agit de mon complice Abbé Abekan, qui est avec qui depuis 20 ans nous sommes dans les églises pour prêcher la paix. Takbir. Nous sommes dans les mosquées pour prêcher la paix. Et il y a 7 ans, je l'invitais à la nuit du destin sur l'esplanade où la pluie nous a supportés. Il venait également pour parler de paix avec moi. Je pense cet amour et cette affection qu'il partage tout ce qui se passe à la mosquée ici, qu'il soit invité ou non lorsqu'il est informé, il compose une grande délégation pour être ici aux côtés des musulmans. Pour dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble
dans un seul but et objectif, de faire en sorte que la paix règne dans notre pays. C'est vrai, la paix est devenue une denrée rare dans le monde entier. Le monde est secoué par des crises de toutes sortes et très douloureuses parfois. Ces crises, aucun pays n'est épargné. Si ce n'est pas la crise sociale, c'est la crise économique. C'est des guerres parce que la volonté de puissance de l'homme et l'orgueil de l'homme est l'une des causes importantes de ces conflits. L'une des causes importantes également de ces conflits, c'est le tribalisme, l'ethnocentrisme et cette guerre des races, des têtes, des ethnies. Nous n'y avons pas échappé en Côte d'Ivoire. C'est la même chose au Mali. C'est loin d'être une guerre économique, une guerre religieuse. Il y a en toile de fond la dimension raciale, la dimension ethnique. Au Rwanda, la guerre qui a fait 1 million de morts en 90 jours, c'était entre deux ethnies. Une ethnie qui dit être meilleure à une autre. Si vous allez en Somalie, vous allez trouver également qu'il s'agit de la même chose et de la même cause. Si vous allez en Europe, ex-Yougoslavie, vous trouverez encore qu'il s'agit d'un problème racial et ethnique qui a opposé les fractions serbes et les autres fractions également qui ont été ainsi entraînées à tuer de la même manière qu'en Côte d'Ivoire, mais également avec les mêmes horreurs, les mêmes douleurs. C'est pour cela que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parlant des guerres de tribus ou des discriminations raciales, il dit « Da'ouha fa'innaha muntina ». Éloignez-vous-en, parce que ça sent mauvais. Les guerres basées sur les questions de race, d'ethnie. Vous avez depuis 1947 le problème au Moyen-Orient, notamment en Palestine. C'est une guerre depuis 1948 qui sévit et ne se passe pas de jour. Il n'y a pas un mort, 10 morts, 20 morts, 30 morts depuis 1948. Le fond, il y a une question de terre, la terre là, qui va nous avaler tous. Mais il y a également des raisons, des causes tribales. Des ethnies qui ont cohabité depuis des millénaires, depuis le temps de Sidna Moussa, Moïse, jusqu'à ce jour, chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que l'on a l'habitude de dire que la femme peut être une part des problèmes, comme la femme peut être les agents de la paix, peuvent être une part des solutions aux problèmes et aux crises qui secouent le monde. Il y a un mois et demi, j'étais invité à Londres pour participer à une conférence organisée par les femmes, les grandes dames du monde qui dirigent les multinationales, les grandes sociétés, les Christine Lagarde et bien d'autres qui sont les directrices des grandes banques européennes. J'ai été invité pour prononcer une conférence. Le thème était « Trust Women », faire confiance aux femmes. Pourquoi il est temps de faire confiance aux femmes? Parce que les femmes sont capables d'être instruites, sont capables d'être des leaders,
sont capables d'être des agents de paix et non de conflits et de guerres. Trust women veut dire que les femmes ont aussi des capacités qui en rivalisent avec les capacités des hommes. La femme n'est pas femme parce qu'elle n'a pas de cerveau, bien au contraire. Nous avons vu et nous avons côtoyé des femmes de valeur et des grandes femmes dans l'histoire humaine. Lorsqu'on se penche sur le domaine de l'histoire et de l'anthropologie, la femme a un rôle à jouer. La femme a un rôle à jouer. Et ce rôle est un objectif. Pourquoi la femme a un rôle à jouer? Pas à côté de l'homme, mais avec l'homme. Je pèse bien mes mots. La femme a un rôle à jouer, pas à côté de l'homme, mais avec l'homme. Parce que ce sont deux mains qui se lavent les unes les autres. La femme a un rôle à jouer que l'homme ne peut pas jouer. Le rôle de la procréation, de mettre au monde, est un rôle et le rôle le plus important depuis le début de l'humanité, depuis notre père Adam et Ève. La femme a commencé à jouer son rôle. Le rôle d'enfanter, de mourir en martyr, en mettant au monde, en donnant la vie à des hommes et à des femmes. La femme a un rôle à jouer. Le rôle non seulement de mettre au monde, mais d'entretenir l'enfant qu'elle a mis au monde. Cet enfant peut être un homme, peut être une fille. Elle met au monde, elle n'abandonne pas ce qu'elle a mis au monde. Vous le savez, maman, mieux que nous-mêmes. J'ai assisté à l'accouchement d'un enfant. Je dirais ma fille. Quand j'ai vu la douleur de l'enfantement et que juste après la sortie de l'enfant qui criait, je pleurais avec l'enfant. Et j'ai compris que ma maman mérite encore plus de déférence et de respect. Parce que celle-là aurait pu mourir et donner la vie à un enfant. Vous êtes donneur de vie par mission qu'Allah vous a assignée. Mais protéger, dorloter, transmettre le sentiment d'amour et d'affection à ce qui est ce que Dieu vous a donné. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que l'enfant quitte ce monde, il est encore aimé de sa mère. Mon cher ami, un jeune homme est monté pour faire la toiture de la maison familiale. Il faisait très chaud. Le père sort pour dire, descends après, lorsque il fera, ce sera le soir, tu vas continuer. Il dit non, je vais terminer, il reste un peu. Et la mère sort avec le bébé de son fils qui venait de naître pour le mettre au soleil. Lui descend très rapidement et dit, autant tu aimes ce bébé, moi je t'aime encore comme ce bébé et comme tu aimes ton bébé. C'est ça aussi la mère. On ne saurait en dire assez. La femme s'occupe de l'enfant, mais s'occupe également du mari. La femme s'occupe de son frère. La femme est le trait d'union d'amour au sein d'une famille. Toutes les familles tiennent grâce aux femmes. C'est pour cela lorsque j'entends dire, derrière tout grand homme, il y a une dame, non? C'est à côté de tout grand homme, il y a une grande dame. Derrière tout grand homme, c'est nos mamans qui ont été derrière nous, nous mettre au monde devant elles. Il y a une grande dame, c'est celle-là nos mamans. Mais à côté de tout grand homme, il y a une grande dame. De cela,
L'humanité vous doit beaucoup. Et les hommes vous doivent beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le taux d'analphabétisme est le plus élevé chez les femmes. Alors que je considère que les femmes doivent être les plus scolarisées. Le taux de pauvreté, de misère est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Alors que lorsque la femme est riche, elle partage. Et lorsque l'homme est riche, c'est d'autres qui en profitent et qui en bénéficient. La femme donc, votre rôle est un rôle prépondérant, un rôle d'avant-garde. Mesdames et messieurs, chers frères, chers imams, la femme a un rôle à jouer dans le développement. Ce premier rôle, c'est d'abord l'éducation des enfants qu'elle met au monde. Chacun peut avoir un enfant, mais ce n'est pas donné à tous de donner l'amour. Or, donner l'amour à l'enfant commence chez la femme lorsqu'on est dans son ventre. Je me suis rendu compte par étude que même si l'enfant bouge dans le ventre de sa mère, on peut le caresser et il se calme. J'en ai fait l'expérience. L'enfant bouge dans le... Comment c'est son monde. Il fait sa gymnastique. Et lorsqu'il bouge, on vient, on le caresse. On le caresse, il se calme. Il sait qu'il est aimé. Et donc, il se calme. Et cet enfant, lorsqu'il naît, la maman lui donne encore l'amour en lui donnant le sein maternel. Pendant que le sein est donné à l'enfant, les yeux de l'enfant sont fixés dans les yeux de sa mère. Et par moments, il commence à sourire à sa mère. Pour dire, maman, je t'aime. Le sourire au moment de l'allaitement est l'expression de l'amour pour celle qui est miséricordieuse à son égard. Et après, la maman essuie les urines, les selles de l'enfant. Veille sur l'enfant malade, lui donne à manger. Jusqu'à ce qu'il soit à l'âge de parler, les premiers mots sortent du bout des deux lèvres. Maman, maman, maman est un mot très profond qui est lié à un attribut de Dieu. Maman, dans toutes les langues, vous verrez tous les enfants du monde entier. Maman, le M est toujours aux lèvres de chaque enfant. Qu'on soit en Asie, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Afrique, ce mot est prononcé, les deux lèvres, supérieur et inférieur, se touchent pour exprimer cet amour vis-à-vis de la mère. Il faut donner. C'est pour cela les enfants qui ne bénéficient pas de cela, à qui on donne le lait, les biberons, n'ont pas le même comportement que nous, qui avons fixé les yeux de nos mères. On a peur lorsque la maman parle. On l'aime lorsqu'elle est heureuse. Ainsi donc, le rôle de la femme dans le développement humain, c'est d'abord le développement de l'homme, de tout l'homme. Quand l'enfant est en examen, même s'il passe le doctorat, la mère ne dort pas. Elle est toujours soucieuse de la sécurité alimentaire, vestimentaire, intellectuelle de l'enfant. Et cette dimension, personne ne peut en faire autant pour l'enfant. Même si l'enfant est président, la mère ne connaît que son fils. Je sais les mots que prononçait Adja Nanou lorsqu'on parlait de son enfant. Nala sona, ala koukwa e kemia, vena kouye. Inch'Allah, ala koukwa vena kemia, vena kouye. Revenant là-dessus, c'était une conviction. Et cette conviction est devenue aujourd'hui une réalité. Donc, la mère est la mère de tous les rois. Y a-t-il un roi qui est descendu du ciel? Y a-t-il un président de la République ou bien un président de l'Assemblée nationale qui est sorti du néant? Non, c'est la mère qui donne naissance à tous ces hommes, toutes ces femmes de valeur.
viennent des mères, mais de quelles mères? Celles qui fuient ses devoirs, qui fuient ses responsabilités, qui ne jouent pas son rôle? Non. Telle mère, je dirais, et tel arbre, tel fruit. Le fruit est certes agréable, mais l'arbre qui donne le fruit est encore plus agréable que le fruit lui-même. Vous êtes de ces arbres qui donnent ces fruits dans le monde. La femme éduquée pense plus aux autres que penser à elle seule. Cette générosité, elle est innée chez la femme. Générosité de cœur et de comportement. Nous le disons, tous les imams sont là pour le dire, que les personnes qui cotisent le plus pour Dieu dans la mosquée, ce sont les femmes. Elles sont prêtes à tout donner pour Dieu. Fasse Allah qu'il vous accorde le paradis, inshallah, en récompense de ce que vous donnez pour Dieu et par Dieu. Les femmes, je dirais encore les femmes dans l'histoire. Les femmes dans l'histoire, c'est la maman de Moïse. Cette amie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis un enfant au monde, mais les autres enfants, garçons qui naissaient, étaient tués par Pharaon. Mais pour récompenser les vertus de cette femme, il lui dit, non mais laisse ton enfant dans l'eau. Celui qui devrait le tuer va le prendre et l'éduquer et l'élever chez lui. Et ça n'a pas empêché, Moïse est devenu ce que Dieu a voulu qu'il soit. Mais la vertu de la mère y est pour quelque chose. Jésus, alayhi salam, est né d'une mère et non d'un père, comme Adam est né d'un père et non d'une mère. Ici, la mère de Jésus, Mariam, alayhi salam, était une vertueuse. Vertueuse à se réfugier et laisser la société avec cet art pour aller se consacrer à l'adoration de Dieu. En récompense, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu n'a pas voulu que sa virginité soit touchée par un homme. Et dire, Innama amruhu iza arada shay'a an yakula lahu kun fayakun. Mon ordre est que lorsque je dis soit, la chose est. Et je vais dire à l'enfant d'aller naître dans le ventre de la mère. Personne n'a vu au moment où Maria m'a accouché, personne n'a vu les parties intimes de sa mère. Et ainsi il a dit, mange la date. La date est tombée, elle a mangé, elle n'a pas senti les douleurs de l'enfantement. Ça a été le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme, il y a eu des grandes femmes de l'histoire. À la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui passait inaperçue, mais qu'on voyait brillante. Quelque chose, une lumière qui brillait autour d'elle et sur son front, et qui était toujours prête à se réfugier pour ne pas qu'on la voie toujours passer. Mais à celle-là également, Dieu a donné qui? Mohammed ibn Abdullah. Il vient d'où? D'une dame respectueuse, vertueuse, de toutes les qualités morales. Il y a eu également Khadija, radiallahu anha, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vertueuse, humble, modeste, richissime, elle a tout donné à Dieu. Et elle a donné son amour, son cœur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour l'aider dans sa mission délicate et difficile dans la cité de la Mecque, mais pour le reste de l'humanité. Nous avons vu Soumaïa mourir de douleur, de torture, parce qu'elle dit, je veux la voix de l'islam, la voix de Dieu. Autant de femmes comme Aïcha radiallahu anha, qui était une savante, savante en ce sens érudite,
C'est elle, après le rappel à Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignait les sahaba, les compagnons du prophète. C'est elle qui était jurisconsulte, qui était spécialiste de l'enseignement du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes venaient prendre des cours auprès d'elle, malgré sa jeunesse. Et la seule fille qui a vécu après le rappel à Dieu du prophète, c'était Fatima. Érudite, savante, le prophète disait de son mari, qui à l'âge de 9 ans a embrassé l'islam, si la science était une maison, la porte d'entrée serait Ali. Par sa sagesse, mais à côté de tout homme sage, il y a certainement une femme très sage. Parce que lorsqu'on a des complications, on vient demander quel est ton avis là-dessus. Pour les hommes qui connaissent l'importance des femmes et qui savent que les femmes peuvent résoudre beaucoup de problèmes. Chère maman, que votre plan d'action soit bâti autour du pardon, du respect de l'autre, de l'amour, de la patience. Car la patience est un chemin d'or, la foi, l'engagement, la sincérité, l'honnêteté, la patience, l'indulgence doivent être votre cheval de bataille. Nous savons qu'il y a des sœurs chrétiennes qui sont là. Il y a 2 mois, j'étais avec mon frère Abécan à l'église Saint-Jacques pour leur donner la même conférence sur la paix et le rôle des femmes. Je sais que vous n'êtes pas seul. Il y a des femmes de foi qui sont de l'autre côté, qui militent dans le même sens. Et je pense qu'ensemble, avec le souci d'unir les Ivoiriens pour que notre pays soit un pays émergent, mais émergent sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, nous serons des exemples en Afrique. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur la nécessité de parler à nos enfants. Beaucoup d'argent, qui va hériter de tous ces milliards qui vont venir? Ce sont nos enfants, les drogués, ceux qui vont passer à faire ce que même les bestiaux ne font pas sur la plage. Un pays émergent avec des enfants détraqués moralement, où l'argent est devenu un objet d'adoration, l'idole du 21e siècle, il y a une question de moralité qui se pose dans notre société. Et c'est avec vous que ce combat doit être mené. Pour que nos enfants ne pensent pas qu'en montrant leur nombril dehors, que c'est en cela qu'elles sont devenues femmes. Ou que les pantalons qui descendent pour laisser voir les slips, que ce ne soit pas, c'est tout ce qu'on voit à la télévision. L'Amérique n'est pas bâtie autour de ça. Loin de là. C'est un pays très équilibré. C'est pour cela qu'ils sont à la tête et au-dessus du combat économique et de la puissance dans le monde. Et nous voulons sortir de tout ça pour aller vers une Côte d'Ivoire vraie, en bonne santé. Une Côte d'Ivoire en bonne santé, c'est des enfants qui sont moralement équilibrés. Parce que c'est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui vont jouer le rôle moteur des acteurs du développement et non des suiveurs de développement. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et je voudrais m'arrêter ici et vous dire merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je voudrais tout simplement dire un très grand merci.